Christian Verdeau, vous êtes hypnothérapeute, c'est la troisième fois que vous venez à l'émission. Mon dernier invité, c'était le docteur Jean-Jacques Charbonnier et nous avons parlé de la transcommunication hypnotique et avec vous, nous allons rester dans le domaine de l'hypnose. D'accord. Et je tiens aussi à dire que on va parler aussi beaucoup de Carl Gustav Jung aujourd'hui, parce que vous êtes un lecteur de Carl Gustav Jung. Vous en savez sans doute plus que moi, puisque moi, je commence à peine à découvrir son œuvre. Et vous allez aussi nous parler d'une nouvelle technique qui a été développée. Mais j'en dirai pas plus. Je vous laisse la parole, M. Verdeau. D'accord. Oui, ben c'est très, très bien, parce que le docteur Charbonnier était bien sûr, on le sait, anesthésiste, et il a été vraiment frappé par ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, en fait. Il s'est avéré que beaucoup de personnes relatent avoir vu la table d'opération, avoir entendu les médecins. Et en fait, ce phénomène pose la question effectivement fondamentale, est-ce qu'il y a une conscience extra-neuronale ? Et donc, j'ai assisté aussi à une séance faite par le docteur Charbonnier à Bayonne, Pays Basque, et c'était, je dois dire, assez impressionnant, mais j'ai une grande admiration pour lui, en définitive, parce que c'est vraiment pas commun qu'un docteur s'intéresse à ces phénomènes. Alors, ça pose la question, est-ce qu'il y a une conscience extra-neuronale, étant donné que l'électroencéphalogramme est plat, bien sûr. On sait que dans des états, on pourrait dire presque normaux, il y a beaucoup de production en dehors de toute conscience, production de langage en dehors de toute conscience. Donc, par exemple, nous avons la somniloquie, qui est le fait de parler en dormant sans aucune conscience de ce que l'on fait. Il y a aussi le somnambulisme dissociatif, où là, on se réveille, enfin, une partie de nous se réveille et dialogue avec des personnes, vous allez recoucher le somnambule, il n'en a aucun souvenir. Et bien sûr, nous avons l'hypnose que pratique le docteur Charbonnier pour aller à la rencontre de nos défunts. Le rêve lucide aussi, on arrive à dialoguer avec différents personnages et aussi le dialogue intérieur où, et surtout, on en reparlera, l'imagination active de Carl Gustav Jung. Et c'est une grande avancée et je trouve surtout fantastique cette ouverture du monde médical qui accepte que le docteur Charbonnier fasse ce genre d'expérience.
ça aurait été à peut-être 20, 30 années en arrière, je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas passé devant le Conseil de l'Ordre des médecins, quoi. Ben c'est, d'ailleurs, c'est, il le disait lui-même, il a été, le Conseil des médecins lui a demandé de passer un test pour savoir s'il était sain d'esprit. Oui, tout à fait. Il y a eu une fermeture fin 19e, 20e siècle, parce que le grand courant, en fait, qui existe toujours, de la psychiatrie, c'était un courant organiciste, donc, je veux dire, où toutes les maladies nerveuses, tous les troubles mentaux, pour eux, avaient une cause purement organique, parce que la notion de l'inconscient fin 19e, début 20e, n'était absolument pas admise. Et c'est là, je dois dire, puisque l'on parle d'hypnose, qu'il y a deux psychiatres mondialement reconnus qui ont eu des problèmes avec leur conseil de l'ordre, etc., notamment Carl Gustav Jung, surtout, et qui était en désaccord profond avec cette vision organiciste hein, des troubles mentaux, et Milton Erickson, qui, lui aussi, en 1952, est passé devant le conseil de l'ordre des médecins qui voulait complètement le rayer parce que la plupart de ses confrères, tant Carl Gustav Jung et Milton Erickson, ne comprenaient absolument pas sur quoi ils travaillaient. Quoi. On n'étudiait pas les rêves, on avait un dogme qui était de penser que tout se situait au niveau du cerveau, c'était une dégénérescence, une altération, une lésion du cerveau qui entraînait tous ces troubles mentaux. Et ça, c'est vraiment de la part du docteur Charbonnier, si je puis me permettre, je lui tire mon chapeau parce qu'il fait avancer les lignes. Quoi. On commence à considérer que l'inconscient est une chose très importante. Et il vous donne, de par son expérience, la certitude que l'on peut dialoguer avec nos défunts. Christian Verdeau, je sais que vous avez une copie dans votre bureau du livre rouge de Carl Gustav Jung. Oui, est-ce que vous pourriez nous le montrer, si possible, et nous expliquer le contexte dans lequel le livre a été écrit? Oui, c'est un livre, bien sûr, qui est là. Je vous le présente, vous le voyez bien. Pouvez-vous le lever un petit peu? Oui, bien sûr. Ah oui, il est très beau. Et c'est vraiment... Le livre rouge est une... Déjà, ce qu'il y a de très important de comprendre, c'est que ces découvertes, Carl Gustav Jung les fait au début du 20e siècle, quoi. Il a déjà des visions en 1913, 1914, notamment une qui est très célèbre. Il était dans un train en 1913 et il a vu une mer rouge remplie de cadavres, etc., s'arrêter au port de la Suisse, mais recouvrir toute l'Europe. Et nous sommes en 1913, la guerre de 14-18 n'était pas encore déclarée. Cette vision l'a atterré, et quand la guerre de 14-18 s'est déclenchée, il a été presque, j'ai envie de dire, soulagé, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une couche très profonde dans l'inconscient, qui était l'inconscient collectif, qu'il a découvert avec des concepts comme les archétypes. Et le livre rouge est donc une véritable, on peut dire, odyssée au plus profond de l'inconscient et donc une confrontation avec des personnages qu'il a rencontrés dans ses visions et dans cette odyssée, cette exploration de couches très profondes de l'inconscient qui concerne l'humanité. Et donc, il rencontre en 1913-1914 des personnages mais qui sont aussi réels que moi, quoi. C'est-à-dire que à l'intérieur de lui-même, il va commencer à discuter avec des personnages. Élie, par exemple, il y a Élie et Salomé, il y a aussi un diable vêtu de rouge, un ermite, un bibliothécaire et ce fameux sage qu'il Philémon.
Carl Gustav Jung, il y a des personnes qui font partie de tous ces gens qui ont exploré l'inconscient, notre inconscient. Hein. Et je crois que la psychologie analytique jungienne fait un parallèle assez intéressant avec tout ce qu'on appelle les voies religieuses. Oui, oui, tout à fait. Surtout les religions orientales. Exact, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, et il retrouve des parallèles incroyables lorsqu'il fait ses différents voyages. Il est toujours très, très intéressé par cet inconscient qui est à l'origine de tous les grands mythes, de toute notre créativité, qui crée ces personnages. Ces personnages intérieurs nous habitent et il va développer une méthode qui est l'imagination active. L'imagination active, c'est vraiment une méthode très particulière qu'il enseignait à tous ses analystes. En France, on est très attaché à Freud et à Lacan, et c'est vrai que Carl Gustav Jung n'est pas enseigné, par exemple, dans les écoles de psychologie. Il faut bien comprendre que Milton Erickson, il dialogue avec nos personnages intérieurs en hypnose. Hein. Il est persuadé que ces personnages vont lui répondre, le comprennent parfaitement et peuvent modifier les croyances qu'ils ont. Quoi. Ce sont des gens qui sont les premiers à marcher, comme le disait Freud à Jung. Je suis le premier à avoir mis les pieds sur un nouveau continent et vous, plus ou moins les jeunes, vous allez l'explorer. Et Jung a vraiment explorer, révolutionner beaucoup de choses et beaucoup de thérapies s'inspirent de lui. Quoi. D'ailleurs, ça a été le principal schisme entre Freud et Carl Gustav Jung, parce que Carl Gustav Jung a exploré des voies que Freud s'interdisait. Oui, tout à fait, mais on le comprend hein, parce que j'ai un grand respect pour l'œuvre de Freud et ne serait-ce parce qu'il est à l'origine de cette notion de transfert, que chaque être humain transfère énormément d'informations, même d'une façon subliminale. Et quelque part, je peux comprendre Freud, parce que dire à l'époque que toutes les voies religieuses avaient une source inconsciente, ça allait à l'encontre de toutes les croyances de l'époque. Au début du XXe siècle, d'ailleurs, Carl Gustav Jung a fait une conférence à Londres, à la Société de recherche psychique, où un tas de gens, savants, etc., personnages célèbres, étudiaient tous ces phénomènes paranormaux. Carl Gustav Jung a fait un discours en disant que la croyance universelle en des esprits était une projection inconsciente de nos propres esprits, de nos propres personnages intérieurs. Et c'était vraiment révolutionnaire, et c'est vrai que dès que j'ai su que le docteur Charbonnier venait dans ma région, j'ai fait cette séance et je l'ai remercié pour cette ouverture qu'il a et pour le courage qu'il a eu.
fait une expérience de mort imminente, effectivement, et rejoint les travaux du docteur Charbonnier. Il a voyagé au-dessus de la Terre, il était très très marqué par cette expérience. Et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, au-delà de notre conscience, il y a tout un monde que des personnes commencent à découvrir, mais je pense en toute honnêteté qu'au niveau des psychiatres, Carl Gustav Jung a été celui qui a exploré au plus profond de chaque être humain, l'inconscient collectif, qui s'est confronté à lui. C'est tout un travail d'une vie. Christian Verdot, il existe une technique pour aider à hypnotique. Est-ce que c'est hypnotique pour aider les schizophrènes qui ont des projections mentales, si je puis dire, qui les dénigrent et les rabaissent constamment, notre voix intérieure négative? Et vous dites que cette technique-là hypnotique ne se limiterait pas seulement à la schizophrénie. Exact, tout à fait. Parce que, comment vous dire, je suis comme d'une façon beaucoup plus modeste. Hein. Je veux dire par là que je pratique l'imagination active dans sa forme verbale, qui est tout simplement de discuter avec mon critique intérieur, qui est toujours plus ou moins en train d'avoir des attitudes, des jugements vraiment que tout le monde a d'ailleurs. La thérapie par avatar, qui est une très très belle thérapie, mais j'ai envie de vous dire que elle peut s'étendre effectivement à nos critiques intérieures, ces personnages intérieurs qui plus ou moins nous rabaissent, nous diminuent, mais aussi il y a bien sûr la compensation, il y a des personnages intérieurs heureusement très très positifs.
vous explique un peu comment va se passer la séance. Aujourd'hui, ce qui va être fait, c'est que l'avatar va apparaître en trois dimensions devant vous et je vais reprendre ce que vous entendez textuellement. Vous avez mis quatre phrases là, que le personnage de ce démon-là vous dit, puis ça revient tout le temps, puis ça vous persécute. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est vous, le travail que vous avez à faire, c'est d'utiliser vos stratégies que vous utilisez habituellement. Donc, d'essayer de faire pour que ça soit le moins difficile possible. Donc, maintenant, Richard, on est rendu dans la voûte. Comme je vous l'ai expliqué en bas, on va reprendre les différentes phrases là, que vous entendez, là, qui vous dénigrent, vous persécutent. On va le faire à votre rythme. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites. Vous utilisez vos stratégies, là, comme on en a parlé en bas. Et dès que vous êtes prêt, je vais disparaître. C'est l'avatar qui va être présent avec la voix simulée. Est-ce que vous êtes prêt à commencer? Oui. On commence. Tu es un trou de cul. Oh boy. T'es dégoûtant, dégueulasse. Personne t'aime. Tes parents vont mourir à cause de toi. Bonjour Richard, est-ce que vous vous sentez prêt à le chasser aujourd'hui ou vous voulez qu'on attende à plus tard? Parce que je sens qu'il y a quelque chose en vous là, qui aurait envie de le chasser, mais c'est plus difficile. Oui, je me sens essayé là pour... Vous voulez qu'on essaie de le chasser? Oui. OK, fait que je le remets. OK. Oui, j'aime ça te combattre, plus t'entendre, ça ferait du bien. En tout cas, je serais soulagé, là. Ouf! T'es pas facile pareil, là, mais t'es pas facile à regarder, là, mais... En tout cas, oui, j'aimerais ça m'en débarrasser de toi, plus te voir, puis... j'aurais tellement la paix, là. Je serais tellement soulagé, là, parce que je t'entends comme... Tu sais, 10-15 fois par jour, à toutes les heures, à toutes les demi-heures, tu me dis des bêtises. Que c'est ça, là. Là, c'est comme ça m'a donné des outils. En écoutant la bande, mes amis ne pensent pas ça de moi. Que c'est ça. Ouais, là, t'es comme surpris, hein? Je suis surpris parce que j'ai l'impression que je réussirais plus à être avec toi. Ouais, j'aimerais ça, moi. On n'est pas obligé d'être schizophrène pour être persécuté par son ego. Là. Ah ben non, 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 ça n'a rien à voir. La schizophrénie, c'est vraiment, il y a un déséquilibre énorme entre le conscient et l'inconscient, et que les archétypes ont une énergie et un tel pouvoir qu'elles submergent en permanence la conscience. La conscience qui ne peut pas s'opposer et qui est face à une énergie, un véritable tsunami qui est à même détruire, de fragmenter, de posséder complètement la conscience. Et ces personnes, c'est terrible parce qu'elles ne peuvent pas, vu l'énergie déployée, s'y opposer. Donc je pense qu'il y a une cause organique, certainement. La grande différence avec la thérapie du dialogue intérieur et l'imagination active, c'est que comme Jung, notre moi, notre ego n'est pas fracturé, n'est pas submergé. Alors, par exemple, tout le monde a un critique intérieur qui va vous dire tu ne vaux rien, tu n'es pas à la hauteur, tu es vraiment un imbécile, ta vie est un échec, tu es sans valeur.
grosse erreur, c'est que les gens disent « je ne vaux rien, je suis à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur, je suis vraiment un imbécile, si je rate cet examen, je suis vraiment nul », sans se rendre compte que toutes ces idées naissent d'un complexe inconscient que j'appelle le critique. Et bien souvent, l'imagination active, ça va être de le laisser s'exprimer et après de lui donner un point de vue complètement différent. Si par exemple, on prend l'exemple « je ne vaux rien », vous l'écoutez et vous pouvez lui répondre « attends, je ne vaux rien, j'ai quand même réalisé dans ma vie des choses positives, etc. » Enfin, moi, je trouve ça naturel parce que, oui, parce que toute ma formation vient de Carl Gustav Jung, oui, oui, tout à fait. Pour poursuivre encore une fois sur Carl Gustav Jung, M. Christian Verdeau, il a écrit un livre qui s'appelle « Flying Saucers » ou « Les soucoupes volantes, un mythe moderne ». Parce que là, présentement, bon, certaines personnes comme moi vont vous dire qu'on est submergé de UFO en ce moment. On capte des UFO partout à travers le monde. Et Carl Gustav Jung est arrivé vers la fin de sa vie dans ce phénomène-là qui commençait à émerger et il en a pondu une théorie quand même intéressante. Tout à fait. Mais Pierre, c'est très important de bien comprendre que pour lui, l'inconscient collectif est à la base de tous les mythes, de toutes les croyances. Là, on est au niveau de l'inconscient collectif. Maintenant, je vous demande de bien comprendre, je n'ai pas étudié ça particulièrement, mais imaginons qu'on se trouve au début, au néolithique, 7000 ans avant l'ère chrétienne, où toutes les personnes attachaient une grande importance à tous ces phénomènes. Par exemple, ils voyaient des lumières dans le ciel. À cette époque, ils n'avaient pas la connaissance que l'on a. Ils auraient créé une nouvelle croyance, un nouveau mythe, en disant que peut-être c'était des esprits, des fées, toutes ces choses. Et il va se créer un véritable mythe. Les gens vont scruter le ciel et attribuer à ces lumières un sens de leur époque. Et il va se créer un nouveau mythe, en fait. Il y avait un mythe magnifique quand Jung était au début du 20e siècle chez les Indiens Pueblo. Eux, ils avaient une projection sur le soleil. Ils se levaient tous les matins et ils allaient sur le toit de leur maison. Et quand le soleil se levait, et après il redescendait. Et Jung, très très impressionné, leur dit « Mais quand même, qu'est-ce que vous faites ?» Et ces gens avaient une fabuleuse croyance, ils étaient les fils du soleil, et qu'ils aidaient le soleil à se lever. S'ils ne faisaient pas, le soleil allait ne pas se lever. Avec notre connaissance, on a été sur la Lune, etc. Maintenant, on a une grande connaissance, par exemple, de toutes les galaxies. Nous, on vit dans une galaxie, mais il semblerait qu'il y ait plein de galaxies avec des 100 milliards d'étoiles. Et toutes les probabilités font penser, parce que c'est dans notre culture et qu'on a la certitude maintenant, ou du moins cette certitude repose sur des probabilités qui aient des extraterrestres. Mais vous voyez, donc, il se crée un nouveau mythe qu'il y a d'autres planètes et qu'il y a d'autres personnes qui vivent. Il appelle ça un nouveau mythe moderne. Tous les gens vont donner une croyance à ces phénomènes et ça va se répandre. Ce mythe existait certainement au néolithique, peu importe, avec des gens qui ne comprenaient pas. Ils ont créé, leur inconscient a créé tout un système de rituels et qui est à la base de l'inconscient. L'inconscient crée du sens, il crée du sens et des explications, quoi. On voit très bien notre interprète inconscient avec les travaux fabuleux qui ont été faits par Michael Casaniga, qui a découvert notre interprète inconscient. Pour des gens qui avaient des crises d'épilepsie très graves, ils ont coupé le corps calleux qui tient ces deux hémisphères, c'est très particulier, c'est-à-dire qu'il y avait un hémisphère droit et un hémisphère gauche qui ne communiquaient plus. Et là, il s'est aperçu que l'hémisphère gauche racontait des histoires sur des choses qu'avait vu l'hémisphère droit, mais que lui ne savait pas. Et il fabulait complètement, il interprétait un tas d'événements en dehors de toute réalité. Et Michael Casaniga, j'aime beaucoup ses travaux parce qu'il montrait que l'hémisphère gauche qui
qui parlent, alors que l'hémisphère droit ne parle pas, mais il sait lire, l'hémisphère droit, racontait un tas de choses qui faisaient du sens d'ailleurs, mais qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Donc ça en revient au lien de ce nouveau mythe moderne, c'est que l'interprétation de l'inconscient pour tous ces phénomènes, il va créer une histoire, une très belle histoire, qu'il y a peut-être des extraterrestres qui vont venir, peut-être il y a une forme de planète où les gens sont raisonnables, sont une sorte de paradis, si je puis dire. Mais c'est une croyance merveilleuse, je trouve. Mais ça reste une croyance qui a une origine inconsciente, parce que notre inconscient est toujours en train de créer du sens, en fait, à un tas de phénomènes, d'ailleurs. Ben d'ailleurs, en guise de conclusion, l'homme est un mythomane, si je puis dire. C'est un créateur de mythes et il crée des mythes depuis qu'il a la faculté de raisonner. Et même, je dirais que le scepticisme et disons, le rationalisme, qui sont des concepts intellectuels, s'opposent à cet aspect naturel de l'homme. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bon, maintenant, je pense en toute sincérité que, moi, je suis très heureux de m'apercevoir que les neurosciences confirment intégralement les découvertes de Carl Gustav Jung à tous les niveaux. Hein. Ce qui est très important, c'est que tous les gens comprennent que maintenant, d'une façon certaine, notre conscience, notre moi, notre ego vit toujours dans le passé. Ça, c'est une acquisition. Avant, c'est ce que disait Jung, le moi, l'ego est un petit enfant qui vient à peine de naître, et il disait à l'époque, mais l'inconscient, à 99%, commande et dirige le conscient, quoi. Pour lui, l'humanité, encore de nos jours, malheureusement, vit dans un état d'inconscience absolument incroyable. Et ça, c'est une certitude. Là, j'ai le magazine Le Cerveau, ça me fait plaisir, parce que le dernier qui vient de sortir, c'est Les pouvoirs de l'inconscient. Par exemple, l'exemple est très très simple. On parle là, vous et moi, on échange, mais ça demande du temps. Donc déjà, moi je parle d'une façon fluide parce que, quelque part, mon inconscient à vos questions me donne toutes les réponses. Et vous ne percevez ce que je dis, Pierre, qu'au bout de 300 à 400 millisecondes. Et c'est vrai pour tout acte volontaire. Pour tout ce qu'on perçoit avec nos cinq sens du monde extérieur, ça demande du temps d'être traité à un niveau inconscient. Et ce traitement fait que l'inconscient arrange un tas de situations qui ne sont pas la réalité, quoi. À partir de ce moment-là où vous avez cette base certaine, et on l'a en toute sincérité, dialoguer avec une voix, ça n'a pas été une chose naturel chez moi. Je me rappelle très bien cette expérience où j'ai même été effrayé, sincèrement, en me disant « c'est pas possible, c'est pas possible ». Tellement j'étais imprégné de cette croyance qu'entendre des voix ou dialoguer avec des esprits était un symptôme déterminant de schizophrénie. Et donc, j'ai eu cette chance qu'enfant, j'avais 10-12 ans et je partageais la chambre avec mon frère aîné. Et lui me disait très souvent, mais Christian, mais t'arrêtes pas de parler la nuit, c'est vraiment fatigant. Alors, j'étais très surpris qu'il me dise ça. Et bizarrement, la première synchronicité que j'ai eue, si je puis dire, c'est que mon frère était très très intéressé par tous les magnétophones. Alors, donc il a acheté le premier petit magnétophone avec les bandes, etc. Et sans me le dire, il m'a enregistré. Et à 12 ans, il m'a fait écouter ça. J'étais stupéfait. J'avais des dialogues du style « Non, non, je ne veux pas faire ça, je ne suis pas d'accord.
Non, non, je suis absolument pas. Et j'ai pris conscience, en fin de compte, qu'il y avait une partie de moi très, très jeune avec qui je parlais durant la nuit, quoi. Et c'était une certitude pour moi. Et pour en revenir donc à ce phénomène de dialoguer avec des voix, je trouve ça naturel dans le sens où ce n'est pas la conscience qui produit le langage. C'est une opération beaucoup trop complexe et produire de la parole, lire, etc., ça demande en moyenne 300 à 400 millisecondes. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé ces preuves scientifiques parce que je me suis dit, mais qui me parle? Qui me parle comme ça? Donc je connaissais déjà les livres de Jung, j'étais très impressionné par son travail. Et donc, je me suis intéressé énormément à toutes les découvertes en neurosciences et la liste des neuroscientifiques qui vous disent maintenant que la conscience ne peut pas être à l'origine du langage et de nos actes volontaires parce qu'ils ont toutes les preuves avec ce qu'on appelle, il y a deux techniques, hein, l'amorçage avec des images subliminales qui sont vues par l'inconscient et qui influencent le conscient, et aussi des potentiels de préparation, c'est-à-dire que n'importe quel acte a une signature neuronale et on arrive à calculer l'inconscient qui prépare l'acte et plus tard la conscience qui commence à comprendre qu'elle va poser un acte de monde extérieur. Benjamin Libem, il y a beaucoup, Patrick Agar, John Dylan Haine, tous ces gens qui vous disent la conscience est toujours dans le passé. Une attention vigilante, mais les gens ne se rendent pas compte, mais ils sont toujours, comme on dit dans d'autres thérapies, en pilote automatique. Et c'est pour ça qu'il existe des grandes écoles de méditation. Le yoga, enfin, moi je m'en sers pour des fois quand vous avez des émotions destructrices assez fortes, j'ai besoin de pratiquer des séances de yoga pour supporter cette tension. Je pratique la méditation vipassana, qui est celle de l'attention vigilante. Je suis toujours à l'écoute de ce que va me dire mon inconscient. Mais j'ai un inconscient très, très positif aussi. D'ailleurs, bien souvent, je n'ai pas la solution consciemment et j'attends et mon inconscient me donne la solution et je le remercie. Quoi. Ça devient des compagnons de voyage et ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. Parce que je peux être en désaccord profond avec mon critique. Si par exemple il me dit telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça, je l'écoute et après je lui dis mais qu'est-ce que tu en sais quoi ? Ça n'a pas de sens. Mais pour faire très attention, parce que c'est quand même tout ça, cet inconscient renferme un côté très destructeur. Hein. L'inconscient pour moi est à la base du racisme, de toutes les guerres, de toutes ces idées qu'on se fait. Là, des fois, Jung a eu à s'en occuper, puis il travaillait qu'avec des gens qui étaient en souffrance. Il a un côté démoniaque. Et je pense que beaucoup de gens devraient commencer à réaliser qu'à l'intérieur d'eux, sans projeter sur les autres, mon diable intérieur, je le projette plus sur les autres. Je préfère discuter avec lui s'il a des jugements, des interprétations sur telle chose, sur ce qu'on dit.
Et je pense que l'humanité encore, malheureusement, on voit tout ce qui se passe, toutes ces guerres, que l'humanité vit dans un état d'inconscience incroyable au regard de ce qui va se passer, le réchauffement climatique. Et je pense que si chaque être humain commence à réfléchir qu'à l'intérieur, il y a tout un monde avec lequel il peut parler et avec lequel il peut s'opposer, le monde va s'améliorer. Ça, c'est une certitude. La pire des souffrances pour Jung, c'est ne pas comprendre. Et l'ignorance, c'est terrible aussi parce que ça permet à beaucoup de gens de vous manipuler plus ou moins, quoi. Christian Verdeau, ce fut un plaisir de vous accueillir une troisième fois et je tiens à dire, c'est la seconde fois qu'on fait l'entrevue parce que la première fois, ça l'a raté. Mais je sais que ce que vous avez dit, ça vaut la peine de l'écouter et de le comprendre. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup, oui. Et c'est un plaisir pour moi aussi. Alors, nous avons clos ce que j'appelle la trilogie Christian Verdeau. Peut-être nous reverrons-nous dans un futur plus ou moins éloigné, cher monsieur, pour un prochain dialogue. Très, très bien. Pas de problème, Pierre. Merci beaucoup pour cet entretien. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.